اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهدي وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهدي وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهدي وسلم تسليما. Have a seat. In the name of Allah, the one, the conqueror. Au nom d'Allah, l'unique, le conquérant, et qu'Allah envoie ses prières et ses bénédictions sur Mohammed et la famille de Mohammed, les imams et les Mahdi. Allah a dit, et quand la parole sera accomplie contre eux, nous produirons de la terre une bête pour leur faire face. Elle leur parlera, car l'humanité n'a pas cru avec assurance dans nos signes. Ils disent, pourquoi ce Mahdi ne nous parle-t-il pas en arabe? Le prophète était un arabe. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, était un arabe. Mais avant d'être un arabe, il est un musulman. Donc il parle aux musulmans. Et vous, ô Arabes, la plupart d'entre vous n'êtes pas musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si nous l'avions révélé à un non-arabe qui le récitait au négateur en courant arabe, il n'y croirait toujours pas. Ils disent, pourquoi lit-il son sermon? S'il est un messager, il doit être fluide et éloquent dans son discours. Moïse était un messager qui était incapable de parler couramment et avec éloquence. Et il dit dans le Coran, « Ô mon Seigneur, ouvre-moi la poitrine, facilite-moi ma tâche et desserre le nœud de ma langue pour qu'ils comprennent mon discours. » Alors qu'est-ce que les discours éloquents ont à voir avec la validité du message ou la véracité du messager? S'il en avait été ainsi, Moïse aurait été renié à cause de son trouble de la parole. Ils disent, pourquoi le Mahdi apparaît-il au Royaume-Uni avec une bande d'étrangers? Mes ancêtres, Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, et Ali, alayhi salam, et les imams, alayhi salam, avaient déjà clarifié mon affaire et l'ont fait connaître. Et vos savants me connaissent mieux que leur main droite. La famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, dit, avec le Coran, les Arabes sont très peu nombreux. Et ils ont dit, venez à lui, même si vous devez ramper sur la glace. Et la glace et la neige n'existent pas vraiment au Moyen-Orient. Et ils disent, que la paix soit sur eux. Ses compagnons, les fils des non-arabes, enseignent aux Arabes le Coran, de la façon dont il est réellement descendu. Et ils ont dit, alayhi salam, il ne reste rien entre le Qaïm et les Arabes, à l'exception de l'épée. Voulait-il que j'apparaisse sur les terres arabes afin qu'ils puissent m'assassiner ou m'emprisonner, comme ils ont fait avec mes ancêtres? Je vous le dis, Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et Ali alayhi salam, et Fatima, Fatima Zahra alayhi salam, Al-Hassan et Al-Hussein alayhi salam, sont innocents de vous tous, à l'exception de ceux qui ont maintenu leur serment et qui ont cru en la suprématie d'Allah. Par l'élection de vos propres dirigeants et votre tolérance envers les faux rois et dirigeants et les lois faites par l'homme et par le rejet des imams divinement nommés de la famille de Mohammed, et par le rejet des lois de Dieu Tout-Puissant, vous vous êtes égarés loin de l'islam, du vrai christianisme, et du vrai judaïsme.
Et comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, tout comme vous serez, il sera désigné sur vous. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Ainsi, nous faisons de certains des oppresseurs des dirigeants sur d'autres, à cause de ce qu'ils ont produit. Et Allah ne change pas ce qui est chez les gens, jusqu'à ce qu'ils changent ce qui est en eux-mêmes. » Vous avez des oppresseurs qui règnent sur vous, parce que vous avez été les oppresseurs de Mohammed et de la famille de Mohammed. Vous avez des voleurs qui règnent sur vous, parce que vous avez volé Mohammed et la famille de Mohammed. Vous avez des meurtriers sur vous, parce que vous avez assassiné Mohammed et la famille de Mohammed. Et donc vous êtes tous coupables. Tous ceux qui ont élu un homme participent aux œuvres de cet homme. Ainsi, si vous avez aimé ne serait-ce qu'un seul de ces faux dirigeants ou rois, ou si vous êtes satisfait par eux, sans même avoir voté pour eux, vous êtes coupable. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit, si quelqu'un est tué à l'est et celui qui vit à l'ouest est content de cela, alors il est partenaire dans ce meurtre. Et je vous le dis, si quelqu'un est élu à l'ouest et que vous en êtes content en étant à l'est, vous en êtes partenaire dans toutes ses œuvres. La plupart des dirigeants du Moyen-Orient ne sont même pas arabes, mais sont des agents sionistes du Mossad ou des marionnettes de la CIA. Le prophète Mohammed les a décrits en disant, « Il y aura des dirigeants après moi qui ne sont pas guidés par ma guidance, ni ne travaillent par mes œuvres. Quiconque les croit dans leurs mensonges et les aide dans leur oppression n'est pas de moi, et je ne suis pas d'eux, et ils ne viendront pas me rejoindre à mon bassin. » Et quiconque ne croit pas en leurs mensonges et ne les aide pas dans leur oppression, ceux-là sont de moi et je suis d'eux, et ils me retrouveront à mon bassin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a également dit, il viendra un temps où il y aura des dirigeants sur vous qui sont parmi les pires des gens, et quiconque vivra en ce temps-là, qu'il ne soit pas un caporal, ni un policier, ni un collecteur d'impôts, ni un responsable des coffres-forts. Alors clairement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a interdit que nous aidions quelque oppresseur que ce soit dans le monde musulman, même si c'était par la signature d'un stylo. Et celui qui le fait n'est pas de lui. Les dirigeants ne sont pas seulement des traîtres sur les musulmans, mais ce sont des voleurs. Ils vous ont gardé, vous et vos enfants, dans la pauvreté et l'ignorance, et vous ont refusé l'accès à l'éducation et à la protection sociale. Ils ont volé aux populations qui croient et aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et sa famille, alayhi salam, et ont donné à leurs amis et parents non-croyants, et leurs associés et leurs enfants. Ils ont partagé la richesse des musulmans comme on partage un gâteau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit, « Chaque fois que vous voyez un pauvre dans le besoin, sachez que quelqu'un a pris sa part de subsistance. En effet, ceux qui ont été désignés sur vous et les riches qui ont bénéficié de ces régimes sont les criminels responsables de votre manque. Ils ont volé votre subsistance et votre part et vous ont fait croire que c'était les leurs. Ils ont pris ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous avait alloué et ont réclamé cela comme leur subsistance et leur portion. Ils ont volé, menti, triché et usurpé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous avait assigné, ainsi qu'à vos enfants et aux enfants de vos voisins. Le musulman prend uniquement sa part de ce monde, et sa part est son besoin. Tout ce qui dépasse son besoin appartient à quelqu'un d'autre. Vous avez besoin d'une maison, et chaque musulman y a droit, gratuitement, dans l'état de Mohammed et de la famille de Mohammed, alayhi wasallam. Il y a assez de maisons pour loger chaque homme, femme et enfant musulman.
mais les oppresseurs en ont le contrôle. Chaque musulman a droit à un véhicule, un mode de transport pour se déplacer. Mais pendant que vous vous entassez dans les bus et marchez à pied, certains soi-disant musulmans dépensent des millions de dollars pour des plaques d'immatriculation et certaines familles possèdent des centaines de véhicules pour elles-mêmes. Chaque musulman a droit à l'égalité dans l'éducation et les soins de la santé, et un salaire digne pour se nourrir ainsi que leur famille et permettre qu'ils passent leur vie à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au lieu de cela, ils vous asservissent, vous taxent et vous traitent plus durement que Pharaon, la'anatullah, a traité les Israélites. Par Allah, Nimrod et Pharaon étaient plus miséricordieux envers leur peuple que certains des tyrans qui vous gouvernent. Mon grand-père, le prince des croyants, Ali alayhi salam, lorsqu'il régnait sur vous, a dit « Je suis venu portant cette chemise qui est la mienne. Si je pars en en portant une autre, appelez-moi traître. » Ces faux dirigeants et vos dirigeants sont entrés vêtus d'une chemise et ont refusé de sortir tout en ramassant tout le pays comme s'il s'agissait de leur héritage. La famille royale saoudienne, soi-disant gardienne de la tombe de mon grand-père, gardienne de la maison d'Allah, a une fortune nette estimée à 1,4 billion de dollars. L'émir du Koweït et sa famille ont à eux seuls une fortune nette de 360 milliards de dollars. Masha'Allah. La famille royale du Qatar a une fortune nette de 1,2 milliard. La famille royale d'Abu Dhabi a une fortune nette de 150 milliards. La famille royale du Maroc a une valeur nette de 8 milliards de dollars. La famille royale de Jordanie a une fortune nette de 750 millions de dollars. La valeur nette estimée de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak était de 700 milliards de dollars lorsqu'il était renversé, alors que le PIB total de l'Égypte tourne autour de 400 milliards. Et tous les dirigeants des nations musulmanes sont les mêmes. Je vous demande, par Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce quelque chose que votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepterait? Ces gens sont-ils bénis par Allah et favorisés par lui? Allah leur donne et vous fait vous et vos voisins et vos enfants et les citadins et leurs enfants souffrir et mourir de faim? Sont-ils les bienheureux et vous les maudits? Par quelle logique réfléchissez-vous? Comment percevez-vous? Celui qui se tait quand il s'agit de l'oppression est un diable muet. Et celui qui se tait est un complice du crime. Chaque jour, 25 000 personnes, dont plus de 10 000 enfants, meurent de faim et d'autres causes. Vous pouvez sauver chaque personne qui meurt de faim en ne payant qu'un dollar par jour par personne. C'est 25 000 personnes sauvées par jour pour 25 000 dollars. Pourtant, ces dirigeants hypocrites ne font rien, mais prétendent être les gardiens de la Kaaba. La richesse de la famille royale saoudienne pourrait à elle seule nourrir 25 000 personnes par jour pendant 153 ans. À quoi bon une Kaaba et une religion de miséricorde quand vous laissez les gens mourir et ne les traitez pas comme vous voudriez être traités? À quoi bon un sanctuaire sacré quand les réfugiés musulmans du monde ne peuvent pas s'y réfugier? Au lieu de cela, vous voyez les musulmans dispersés et battus partout dans le monde, cherchant asile dans les terres des chrétiens et des athées. Ces soi-disant dirigeants musulmans sont les ennemis de Rasulullah. Et je suis ici pour annoncer que sur eux tous est la malédiction d'Allah et de son messager. La malédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est sur le roi Salman, Muhammad ibn Salman, et tous ceux qui les soutiennent. La malédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est sur le roi du Bahreïn, son gouvernement, et tous ceux qui les soutiennent.
La malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur le gouvernement des Comores et tous ceux qui les soutiennent. La malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur le gouvernement de Djibouti et tous ceux qui les soutiennent. La malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur Abd al-Fattah al-Sisi d'Égypte et son gouvernement et tous ceux qui le soutiennent. La malédiction d'Allah est sur Abdul Latif Rashid et Mohamed al-Soudani, l'ensemble du gouvernement d'Irak et tous ceux qui les soutiennent. La malédiction d'Allah et de Mohammed et de Ali et de Fatima et d'Al-Hassan et d'Al-Hussein et sur le roi Abdallah de Jordanie et tous ceux qui le soutiennent. La malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur le gouvernement de Koweït et tous ceux qui le soutiennent. La malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur le gouvernement du Liban et tous ceux qui le soutiennent. La malédiction d'Allah est sur l'Ayatollah Khamenei d'Iran et sur tous ceux qui le soutiennent. La malédiction d'Allah est sur le gouvernement de la Libye, le gouvernement de la Mauritanie, le soi-disant roi du Maroc, le sultan d'Oman, Mohamed Abbas et le gouvernement de Palestine, le gouvernement du Qatar, le gouvernement de la Somalie, le gouvernement du Soudan, Bachar al-Assad de Syrie, le gouvernement tunisien, le gouvernement des Émirats arabes unis et le gouvernement du Yémen et tous ceux qui les soutiennent. Que la malédiction d'Allah soit sur eux tous pour avoir gouverné sans autorité. Dieu ne leur donne aucune autorité pour gouverner. Ce sont les ennemis d'Allah et de son messager et les ennemis des musulmans. Telles sont les raisons de votre pauvreté, de votre ignorance, de vos souffrances et de votre tourment. Ces fils d'Iblis et de Cain, la'anatullah, les seuls à avoir le pouvoir de gouverner les terres de Mohammed sont ceux nommés par Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, dans son testament, qui protègent contre l'égarement. Je vous dis, mes frères et sœurs, dans l'état mohammedan, aucun musulman ne mangerait à moins que tous les musulmans ne mangent. Aucun musulman n'aurait plus ou moins que les autres musulmans sous le gouvernement de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Pas seulement cela, mais aucun chrétien ou juif ou bouddhiste ou hindou ou athée ou agnostique, aucun être humain dans les terres des musulmans n'aurait moins que qui que ce soit d'autre. Il jouirait des mêmes droits et des mêmes choses que tous les musulmans ont et devraient avoir dans l'état de Mohammed. Car Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a été envoyé comme miséricorde à l'humanité, et l'humanité vient avant la religion. Quant aux médias et aux gens là-bas, laissez-les se moquer de moi, laissez-les m'accuser. Ils ont peur de moi parce que je ne crains personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque ne craint qu'Allah, Allah fait que tout le monde le craint. Ils me craignent parce qu'ils craignent pour leur monde matériel immonde et ils craignent la vérité. Ils craignent leur population, les gens qu'ils oppriment, parce qu'ils savent qu'ils sont coupables. Et ils craignent leur soulèvement. Ils se moqueront de moi et m'accuseront d'être un agent étranger. Mais alors qu'Allah est témoin sur vous et moi, ce n'est pas moi qui suis un agent. Ce sont plutôt vos dirigeants qui sont tous des agents et qui vous ont vendu. Quant à moi, je suis Abdullah qui ne possède rien à part ma yakin, ma certitude que si je fais face aux montagnes, je peux les mettre en miettes. Et je n'ai rien d'autre que le testament de mon grand-père, Rasulallah sallallahu alayhi wa alayhi. Mohammed, la meilleure des créations, qui m'a mentionné par nom, et rien d'autre que mon drapeau, auquel mon allégeance est donnée, et qui est le drapeau de la suprématie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De quoi peuvent-ils m'accuser? Qu'ils n'ont pas accusé les prophètes et les messagers. Ils ont accusé Joseph d'adultère. Ils ont accusé Moïse de meurtre. Ils ont accusé Jésus de blasphème. Ils ont accusé Mohammed de folie. Alors accusez-moi d'adultère et de meurtre. Accusez-moi de blasphème et de fraude. Accusez-moi de tout ce que votre cœur désire. Moi aussi, j'accuse les dirigeants arabes
d'assassiner leur propre peuple et de forniquer avec l'ennemi et de blasphémer contre Dieu et son messager. Et je les accuse de traîtrise envers leur pays et leur peuple. Vous avez vendu votre peuple, votre religion et votre Dieu. Ils diront que je me trompe parce que les dirigeants arabes les inciteront à émettre des fatwas contre moi et me maudiront sur les minbars, sur les plateformes de mon grand-père, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient déjà maudit Ali ibn Abi Talib depuis les mêmes plateformes de Rasulallah pendant 70 ans. Alors en quoi est-ce important? Et qu'attendre de plus des savants de la fin des temps? Je vous conseille aux gens, de par le conseil de mon père, Imam Ahmed al-Hassan al-Yamani, alayhi salam, demandez à la famille de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à propos des savants de la fin des temps, avant de poser des questions aux savants de la fin des temps sur la famille de Mohammed, alayhi salam. La famille de Mohammed, alayhi salam, a dit, les savants de la fin des temps sont les pires savants sous le ciel. Et ils ont dit, leurs juristes sont des traîtres. Et ils ont dit, les savants de la fin des temps sont plus dangereux pour notre Oumma que l'armée de Yazid. Et dans une autre tradition, plus dangereux que le Dajjal. D'eux émerge la fitna et vers eux elle revient. La malédiction d'Allah est sur tous les savants de l'islam, sans exception. Sunnites et chiites, sauf pour ceux qui prêtent allégeance à cet appel et prêtent allégeance au Mahdi, Mohammed ibn al-Hassan al-Askari, alayhi salam, et le Yamani, Ahmed al-Hassan, alayhi salam. La malédiction d'Allah et de Mohammed et de Fatima et d'Ali et d'Al-Hassan et d'Al-Hussein, alayhi salam, soit sur Al-Sistani, la fausse idole silencieuse qui ne profite ni ne nuit. Ali al-Khamenei et tous les marjas des Shias et les ennemis d'Allah, de son messager, qui se donnent des noms tels que la preuve de l'islam et le plus grand signe d'Allah. Les malédictions d'Allah et de Mohammed et de Fatima et de Ali et d'Al-Hassan et d'Al-Hussein, alayhi salam, soit sur tous les grands muftis sunnites et tous les chers qui soutiennent leurs institutions. Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé et déclaré son innocence à votre égard. Et maintenant, c'est à chaque musulman. Chaque musulman doit choisir de se tenir aux côtés de ces criminels et de faire face à ce à quoi ils feront face et de partager leur jugement par Allah ou de déclarer leur innocence à leur égard et de se repentir et de donner allégeance à Allah et à son messager pendant que la porte est encore ouverte. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et quand la parole sera accomplie contre eux, nous produirons de la terre une bête pour leur faire face. Il leur parlera, car l'humanité n'a pas cru avec assurance dans nos signes. Et je suis cette bête, et alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. الأئمة والمهديين وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم